une pause d'une minute qui nous est proposée maintenant, le temps bien sûr d'aller voir des deux côtés les sortements. Et là il attaque et il touche. 4 à 1. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais déjà Boisdin avait été tout de suite mené par ce qu'il avait mis un peu de temps à s'habituer. L'arbitre donne au Français. On repart de Plumenail. 6 à 5. Regarde se développer son action, il prend le fer. C'est tellement français qu'on s'y perd. Ah, très très beau, une contre-riposte de Plumenail qui touche 7 à 6. Regardez, une attaque, une parade, une deuxième attaque, une deuxième parade et une touche. L'attaque de l'Italien ne touche pas. Et ben voilà. Et plus de 7, voilà deux touches avant. Eh oui. L'attaque de Puccini est parée par Plumenail, qui lui permet de toucher et de mener 10 à 8. Et regardez la riposte en plein vent. Et là, il la prend, parade et riposte, 11 partout.